Badjen, c'est le surnom de ma narratrice, une jeune Iranienne de 16 ans. Badjens, en fait, en, en perçant de tous les jours la langue de l'Iran, ça veut dire mauvais genre, mauvaise graine. Et grosso modo, on peut interpréter ça comme étant le, la vision qu'ont les mollahs au pouvoir de la femme, c'est-à-dire le sexe raté, le sexe faible. Et Badjens, c'est aussi un terme qu'utilisent les filles entre elles. Quand elles veulent se taquiner entre copines, elles se traitent d'espiègles, d'insolentes, de culottées. C'est un peu l'équivalent de, de notre badass à l'occidental. Et en fait, j'ai voulu jouer sur ce, sur ce contresens pour mieux raconter euh, l'histoire de, de ma narratrice, parce que c'est un monologue, monologue intime, intérieur, euh, et on part en flashback, en fait, euh, dans sa vie, de la naissance à l'adolescence, jusqu'au moment où son histoire croise celle de, du mouvement Femmes Vie Liberté, euh, toutes ces filles qui sortent dans la rue euh, à Téhéran et, et dans les grandes villes du pays. Et, euh, et c'est le moment où, justement, ma narratrice... À ce courage de passer à l'acte où elle monte sur une benne à ordures, elle retire son voile pour la première fois, elle l'arrache, elle le brûle en public et à ce moment-là, un moment charnière où elle n'a jamais été aussi proche de la mort, elle ne se sent jamais autant en vie puisqu'elle se réapproprie son corps, sa tête, ses cheveux et sa condition de jeune fille et de femme à part entière. Pour raconter ce, ce roman à la première personne et, et me glisser littéralement dans, dans la peau de cette jeune Badjens, euh, j'ai euh, noué un lien très très proche avec euh, une dizaine d'adolescentes iraniennes à travers euh, l'Iran, dans différentes régions du pays, euh, pour euh, mieux m'approprier euh, leur langue euh, très particulière, euh, très à fleur de peau, euh, euh, à la fois euh, argotique et poétique. J'ai aussi exhumé euh, pas mal de, de journaux intimes de jeunes femmes qui malheureusement ont trouvé la mort sous les balles pendant le mouvement Femme Vie Liberté qui a démarré en, en 2022 après la mort de Massa Mini, une jeune Iranienne qui avait été tuée parce qu'elle n'avait pas bien porté euh, le voile. Et je suis tombée sur une littérature... Euh, euh, très émouvante, euh, où ce sont des récits très très intimes euh, qui aussi en permanence entre la vie et la mort, entre des instincts parfois suicidaires et aussi euh, une soif de vie incroyable, beaucoup euh, beaucoup d'humour. Et ces filles, euh, c'est aussi la génération, alors c'est une génération qui a été euh, biberonnée par la propagande islamique, mais également qui s'est nourrie de tous les réseaux sociaux et de l'internet. Donc c'est la génération TikTok, Instagram. Euh, J'ai trouvé une littérature incroyable à travers ces, ces écrits qui, qui sont des traces de vie sur la toile, euh, leur, leur chaîne Telegram, leur vlog euh, vidéo sur, euh, sur YouTube. Et à partir de, de toute cette matière et de tous ces témoignages, euh, j'ai tissé euh, mon propre récit à la première personne euh, pour pouvoir euh, raconter et pour pouvoir exprimer en fait euh, ce cri de, de colère, ce cri de révolte, mais également un énorme cri euh, d'espoir et de vie qui finalement pour moi est, est à l'image de la rébellion de, de la nouvelle génération iranienne. Si j'ai voulu raconter cette histoire à la première personne, euh, c'était vraiment pour euh, sonder et être au plus proche de, de l'intime, de ce que peut ressentir une jeune adolescente, parce qu'on est aussi sur la ligne de crête des interrogations liées à l'adolescence, euh, mais aussi ce que peut ressentir une adolescente iranienne, dans un contexte très particulier, comment elle le ressent dans, dans sa chair, dans son corps, dans son être, le fait d'être une femme dans un pays où, dès la naissance, euh, vous vous arrivez au monde du mauvais côté. Vous ne devenez que la moitié d'un homme, vous n'êtes que la moitié d'un homme, vous n'avez pas le droit de, de parler fort en public, vous n'avez pas le droit de, de chanter, vous n'avez pas le droit de de vous exprimer dans l'espace public, à l'université. Vous êtes aussi euh, soumise à des carcans imposés par, euh, par la société, par la culture patriarcale. Euh, le rapport au père aussi est très très important. Et, et c'est tout ça que j'ai voulu faire ressentir à travers ce monologue intérieur, parce que ça permet d'expliquer vraiment au plus profond de cette jeune fille euh, ce qu'elle ressent dans, même dans ses habitudes au quotidien. Euh, à titre d'exemple, son, son, son père l'invisibilise dès le départ, il rêvait d'un garçon, elle le vit très très mal, euh, il l'oublie littéralement un jour, il y a un incendie dans l'appartement, il oublie sa fille. et justement c'est dans cet oubli là que la jeune femme doit se construire et elle va se construire en, en, en s'opposant en provoquant en permanence en Se rasant les cheveux à l'âge de 12 ans, euh, en, en mettant des en, en se coupant ses, ses, ses blue jeans, euh, en écoutant euh, des musiques occidentales euh, qu'elle télécharge sur les réseaux sociaux, euh, Taylor Swift, en regardant euh, la série Wednesday sur, sur Netflix, et, et tout ceci, il me semblait euh, impossible de le raconter euh, avec un pas de côté de l'extérieur, le raconter de l'intérieur permettait vraiment de se mettre dans la peau de cette fille et de faire vivre aussi à mes lecteurs et mes lectrices ce que ça signifie aujourd'hui d'être une jeune femme en Iran ce roman il explore la question de l'identité et l'identité féminine en particulier puisque les femmes font partie du mauvais sexe en Iran et donc à travers ce monologue j'explique J'essaye de mieux expliquer euh, ce que ça peut euh, représenter euh, par rapport à la société, euh, le rapport au voile aussi, puisque le voile est obligatoire euh, en Iran, euh, en quoi le voile euh, devient une seconde peau, le voile enferme, le voile crée des peurs, le voile crée une certaine forme de schizophrénie, et à partir du moment où une jeune fille décide de, de le retirer, eh bien, euh, ces cheveux, ils ont une signification beaucoup plus importante de ce que nous pouvons vivre ici en Occident. Le cheveu, les cheveux, les mèches de cheveux, euh, deviennent un instrument de combat, deviennent une armure, deviennent euh, cet objet qui est la continuation du corps, en fait, la continuité du corps, qui va permettre à une femme de, de, de redevenir femme à part entière et de justement se réapproprier son identité féminine. Ce qui me semblait important de, de rappeler dans ce roman également, c'est que le, le combat des femmes en Iran n'est pas né du jour au lendemain. Euh, il, il remonte euh, à la Révolution islamique quand, euh, en 1979, quand la, la femme est, est devenue, par la loi, euh, n'est devenue que la moitié d'un homme. Mais euh, ce combat, il est, il est beaucoup plus lointain. Je pense qu'il fait vraiment partie intrinsèque de... De l'ADN des iraniennes. Et, euh, et les plus beaux exemples, c'est les exemples à travers la littérature, à travers la poésie qui devient aussi euh, une, une, une arme de, de résistance. Euh, je pense souvent et je cite souvent une grande poétesse iranienne, Tohéré, qui, il y a 150 ans, a eu cette audace déjà de se dévoiler devant une assemblée d'hommes. Et pour cette audace-là, elle a été condamnée à mort. Et après elle, il y a eu euh, de grandes poétesses comme Fourourourfa Lorzot, comme Simine Bebaoni, qui, à travers leurs écrits, parfois très érotiques, parfois très poétiques, ont su signifier à leur façon euh, cette, cette résistance euh, au féminin. Et Badjens, finalement aujourd'hui, elle est l'héritière de toutes ces femmes-là, et avec euh, ses propres mots, ses propres outils, ses propres codes, elle raconte à sa façon la fronde au féminin et, et c'est une fronde qui se qui se transmet à, à travers un langage qui qui pour moi va au-delà du poétique. Ce sont des ce sont des outils qui sont propres à sa nouvelle génération, euh, des hashtags sur les réseaux sociaux, des graffitis muraux sur les murs, euh, des termes, des mots ou parfois même tout simplement des symboles qu'elle va euh, qu'elle va dessiner en faisant des tatouages sur les avant-bras sur les poignets de, de, de ses copines et là on rentre dans un nouveau langage inédit très étonnant qui est aussi le langage de la nouvelle génération et qui pour moi est un langage aussi très universel qui qui est propre à l'iran mais qui dépasse aujourd'hui les, les frontières de l'iran et qui nous donne à entendre et, et à voir et, et à ressentir ce que ressentent aussi aujourd'hui toutes les les jeunes femmes à travers la planète, avec quelque chose de très contemporain qui, pour moi, est presque à la croisée des chemins entre, euh, entre Mai 68 et euh, le mouvement MeToo, avec ce, cette, réappropriation, cette réappropriation des corps, mais également de, de la parole.